Donc, je m'entraîne, j'écris le verbe correctement conjugué à l'imparfait. On a des verbes entre parenthèses, dérivent l'imparfait. La personne ou le sujet. Donc, ils doivent s'accorder avec le sujet. On dit hier soir pendant le dîner, Monsieur Rato, qui est le chef du camp, on a parlé à IT ou bien parlé à INT. Donc, c'est dire parler à IT parce que le sujet, oui, Monsieur Rato. Monsieur Rato, c'est un singulier. Moufrad. Mais si jamais. Avec nos chefs d'équipe et ils se. Donc, elle disait à IT, le mofrad, singulier, ou disait à INT, le yel jamais, le pluriel. Rendir à INT, dit le sujet ou non, il avec S. Des tas de choses à voix basse, et nous, il y a un problème. Il y a un problème, il y a le pluriel, il avec S, ou là, le singulier, il. Il y a normalement, il y a un regard, dit le sujet ou non. Et nous regardions, donc à INS, de temps en temps, et puis après le dessert de la confiture de groseille, était, donc, non, c'était, c'était là, singulier, donc, Randir a dit. Oui, a dit. C'était bien, on nous a dit d'aller vite. Nous coucher. Oui, c'est le premier exercice. Ben, c'est le deuxième exercice. Je complète par les terminaisons de l'imparfait qui conviennent. Ben, c'est la terminaison. Li, kotrat ma outar, ce qu'on t'a vous, donc, rendir, je n'ai vous, rendir, EZ. Il cherchait. A-I-E-N-T. Li, indi, S. Il remplit, c'est toujours le pluriel, jamais indi. A-I-E-N-T. Nous gardions. I, O, N, S. C'est bon? Je m'évalue, je réécris le texte en conjuguant les verbes soulignés à l'imparfait. Donc, là, c'est un texte où on a les verbes soulignés à l'imparfait. Je n'ai pas écrit le texte tout le long, ou le texte que vous avez fait dans le travail de l'école. Je vais écrire directement, on va conjuguer les verbes à l'imparfait. Nous, les bouchons, on les surveille. C'est le présent, on a dit. On va dire. Donc, je vais mettre trois points. Les sur veillant. Surveiller. Hit eust, la terminaison dit l'imparfait les yaïté. Mais il nous, il ne se passait passé à it. Pas grand-chose. Et puis, Poulain a poussé un cri, elle a levé sa canne et au bout de la ligne, il y a. On dit c'est l'auxiliaire à voir. Donc, je vais me dire. Avait. Je vais mettre trois points de suspension. Un poisson, a crié Poulain. Maman! Et il l'a lâché. La canne qui est tombée sur les rochers, le chef s'est passé la main sur la figure et l'a regardé Poulain qui pleure. Pleure, c'est le présent, donc je vais ajouter juste la terminaison. Un haïdri, a dit que E, ou rendir la terminaison d'un l'imparfait, l'IA, a ité. Et un haïdri, la il. Le singulier, la troisième personne du singulier. On ne peut. Eh oui, donc voilà, qui pleure. Le poisson est dans la rivière. Ou indir, l'auxiliaire être. Indir, était. Dans la rivière, je vais mettre aussi trois points. On ne peut plus le voir. Peut donc, pouvait. Et les combes, avec le troisième groupe, je vous mets bête. L'exercice suivant, j'écris une phrase avec un verbe du premier groupe conjugal imparfait. Donc, vous choisissez des phrases trop simples. Du premier groupe conjugal imparfait. Gna les verbes du premier groupe ou les verbes, il y a les verbes qui s'élèvent er. Donc, je vais par exemple choisir le verbe donner. Je donnais tout ce que. Je possédais. J'ai donné ici deux verbes l'imparfait. Du le premier groupe qui a donné, les IAER, c'est IAER, ou posséder, IAER. Donc, du deuxième groupe, quand je gagne l'imparfait, je vais choisir le verbe finir. Je finissais mes devoirs. Oui.
Troisième groupe, par exemple, je vais choisir le verbe vouloir. Je voulais rencontrer. Je voulais rencontrer mes amis. C'est bon? Donc ça, ce sont trois exemples. Vous pouvez ajouter d'autres exemples si vous voulez. Donc, mon kétate jumla libri tinta. Ré le word level, c'est le verbe du premier groupe. Et là, deuxième groupe qui s'alibe IR, ou nab ER. Troisième groupe, donc, mnrého. Alors, rachevoum la séance prochaine, inshallah. Donc, bonne chance et à la prochaine, inshallah.